1. Tout homme est destiné à mourir une fois. Qu'est-ce qu'alors votre vie? Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Une brume visible un instant puis qui disparaît. Jacques 4,14. 2. La science, la religion ou l'éducation ne peuvent régler le problème de votre péché et de votre mort. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 5,12. 3. L'âme du pécheur brûlera éternellement en enfer comme une torche. La fumée de cette douleur remontera pour toujours. Apocalypse 14, 11. 4. Tous vos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, le Créateur. Voyez, l'agneau de Dieu qui élimine le péché du monde. Jean 1, 29. 5. Ne voulez-vous pas croire maintenant le fait que vos péchés sont pardonnés et recevoir comme cadeau la vie éternelle? Le salut n'est pas dans votre action ou le matériel. Il n'est que dans Jésus-Christ. 6. Obtenir la vie éternelle est très simple. Où que vous soyez, dans quel état vous êtes, si vous croyez de votre péché a été pardonné, priez Dieu comme qui suit. Dieu Tout-Puissant, je ne suis qu'un pécheur qui ne peut qu'aller en enfer. Je crois en la résurrection de Jésus, mort sur la croix et enseveli afin de pardonner des pécheurs comme moi. Et je l'accepte comme sauveur. Entrez en moi et sauvez-moi de l'enfer. Je vous remercie de me sauver avec le sang de Jésus. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.